Bon, ben, allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que là, je commence un vlog, je suis comme prête et tout. Dans le fond, ce soir, je m'en vais avec mes amis David et Christina. On s'en va souper dans un restaurant que j'ai oublié le nom. Je pense que c'est Zibo. Je sais pas trop. Puis après ça, on s'en va au casino. Fait que je vais vous montrer ça, mais je vais vous montrer mon petit outfit of the night. Fait que ici, j'ai une petite veste, large veston, parce que comme. Il fait chaud, mais pas tant que ça. Que je sais pas ça vient de où, c'est ma grand-mère. Sinon, ici, j'ai un petit chandail off the shoulders qui vient de chez Women's. Puis des jeans comme ça, paillotes, de chez Garage. So, I'm going out. Oh my God, allô? On vlog? Bonjour. Nous sommes où en ce moment? OK, on est au... Prends la petite napkin. Ah, oui. On est au Zibo. Alors, je donne mon appréciation du Zibo. C'était très bon, le burger contenait de la mangue, comme les fucking sushis avec des feuilles d'arbre que j'ai mangé. Les drinks, c'était pas spécifié nulle part qu'il fallait brasser pour mélanger l'alcool et le sucre. Christina, toi ton mac and cheese... T'es vraiment proche de ma face. Mais pas tant que ça en plus. Le mac and cheese, elle laissait à désirer, genre, comme Kraft Dinner fait le meilleur job que ça. Oh, aussi. En mangeant du Kraft Dinner. L'alcool était bon. Hashtag, c'était quoi, Cindy Crawford? Kim Crawford. Kim Crawford, son vin était bon. Puis, ouais, c'est ça, les calmants, c'était bon, mais un peu trop huileux à mon goût. Puis, je deviens vraiment blind right now. Sinon, vous voulez que je vlog dans le Azur. Bonjour, ici à Montréal, nous avons le Azur. Le Azur nous amène de point A à point B à toute vitesse. Et là, à quel point B nous allons? To the window, to the casino! To the casino, ça va to the casino. On s'en va au casino Montréal, dans l'Azur. Ce message est sponsorisé par l'Azur. Azur! Bon, fait qu'on vient de sortir du bus, on s'en va enfin au casino, dépenser notre argent. Christina, tu voulais te dire quelque chose? On est en région! On est au casino! Ok, tu choisis le moins parce que c'est comme ta mise, genre. Ok. Ouh! J'ai-tu gagné quelque chose? Non! Non, t'as perdu 60 sous. Parce que la mise, c'est 60 sous. Ben, fait, Seigneur! Tu veux t'appuyer une dernière fois? Ou non? Le vice, le vice! Je vais appuyer une dernière fois. Oh! Mais oh! Pareil! Oh! Gagné. Oh! 60 sous! Hey! Wow! Ma richesse! Ma richesse! Mon Dieu! Nos 20 piastres! Cash out! Cash out! Notre 20 piastres de perdu, mais bon, c'est pas grave, on a eu du fun pareil. Bonne première expérience au casino de Montréal. Donc, c'est juste pour vous remercier d'avoir vécu Montréal et la région avec nous. Pour plus de détails, swipe up! J'espère que ça va bien. Fait qu'on est présentement le 2 mai, il est comme autour de midi et demi. Puis là, si j'ai la face brillante, c'est que je viens de me faire un masque. Puis ça fait tellement du bien quand je me fais ce masque-là. Là. C'est le masque au café de chez Lush. Puis comme pour vrai, c'est un de mes masques préférés. Comme ça amène une espèce d'éclat de la peau, mais qui est pas gras, mais comme qui est juste beau et naturel. Fait que j'aime ça. Puis dans le fond, aujourd'hui, sérieux, j'ai vraiment pas grand-chose de planifié. Dans le fond, ben, je suis posée voir Sabrina cet après-midi. Mais j'attends de ses nouvelles. Puis ce soir, je m'en vais voir A Quiet Place
avec Sabrina, Christina puis David. Puis je voulais aussi vous montrer quelque chose. Mes cours à l'école Lemour, il y avait cette fille, Patricia Rioux, qui était dans un de mes cours. Puis dans le fond, j'ai reçu deux livres que j'ai commandés. Elle fait des livres pour enfants. Puis c'est vraiment elle qui fait tout, comme elle m'a dit. Elle fait comme les illustrations, les textes, puis tout ça. Puis sérieusement, là, oh oui, ça c'est une petite dédicace parce qu'en fait, on va les donner à la fille de ma cousine. Mais je trouve ça tellement beau, c'est comme, c'est tellement simple, les images sont super belles, les histoires, c'est vraiment comme des petites histoires pour enfants vraiment cute, mais en même temps avec un super beau message. Fait que pour vrai, je vous le conseille, je vais laisser un lien dans la barre d'infos si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Comme là, moi j'ai deux livres, c'est Papa Joe et Le voleur au petit pas, puis Zoé la lune et le mystère du bedon gigotant. Fait que c'est vraiment cute pour vrai, puis ça encourage en même temps une artiste québécoise. Fait que là, je viens de me changer, j'ai juste mis un petit chandail crop top rose, puis une paire de leggings, genre bien basic. Puis là, ça vient de me dire qu'elle va arriver dans mon coin vers 3h30. Fait que je pense que je vais filmer une vidéo, parce que la luminosité est super belle, puis ça me tente juste pas de comme rester... statché à comme rien faire puis à regarder la télé. Fait que je pense que je vais filmer une vidéo. Ouais, je vais faire ça. Bon, fait que dans le fond, là, je viens tout juste de finir de filmer une vidéo. C'est pour ça que je suis un petit peu plus maquillée que je l'étais tout à l'heure. Fait que là, dans le fond, je vais manger. Il est 1h29. Et j'ai tellement hâte parce que hier, je me suis fait de la pizza. Puis je vais manger ça comme reste. Ça va être... ben, ben taste. Allô! Alors, oh non, pas cette main-là, excusez. OK, fait qu'on est à la salle de cinéma avec Christina, yo, moi-même et Sabrina. On s'en va voir A Quiet Place. On va voir, on est ici, conjugaison verbale. Ouch! Conjugaison verbale. Quoi, de quoi, conjugaison verbale, ça se dit pas? J'enlève mes lunettes, comme ça, je peux pas voir le film. Attends, on vient de sortir du film. Oh. Pour vrai, c'était quand même bon. C'est vraiment bon. Mm. David, veux-tu faire tes appréciations du film? Appréciation time. Oui, on vivait le langage des signes, mais non, pour vrai, c'était quand même bon. J'étais surprise, pour une fois. Un film d'horreur qui est bon. Voilà. C'est une histoire plus à propos de la famille que le film d'horreur en tant que tel. C'est une histoire de famille. Hein. Ouais. C'est vraiment cute. Bref, on va attendre Christina pour ses appréciations. Elle a pleuré. Ouais, j'ai pleuré. Je donne au film un 7 sur 10. Ah, quand même, quand même. Et je résumerai le film en... Bon, mais bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait qu'on est présentement le 3 mai, puis il est autour de 9h20, 9h30. Comme vous savez, hein, je connais jamais l'heure quand je commence un vlog. mais dans le fond, aujourd'hui, c'est quand même une grosse journée pour moi parce que dans le fond, comme vous savez, je m'occupe de troupes de théâtre. Il y en a une qui a déjà fait son spectacle en début avril, mais là, la deuxième troupe, c'est son spectacle aujourd'hui. Donc voilà. Puis dans le fond, ben ça va être une grosse journée en fait parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la générale. Ça, dans le fond, la générale, c'est comme faire le spectacle comme s'il y avait du public. Fait qu'on va faire ça avant le show aujourd'hui. Ça va être bien, bien le fun, bien gros occupé. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben je vous ai comme pas... Tu sais, vous avez vu un petit peu mes premières impressions quand je suis sortie du film hier. Mais pour vrai, A Quiet Place, j'ai vraiment trouvé ça bon. Habituellement, je suis pas très film d'horreur suspense, mais celui-là, il était vraiment bon. Puis c'est ça, c'était plus... c'était plus suspense que horreur, à mon avis. Mais c'est ça. Puis sinon, ben je voulais vous montrer. Parce que hier, j'ai fait un petit achat. Puis je vais vous montrer ça. Puis deux choses. La première, en fait, c'est que, ben je pense pas que vous le savez, là, mais moi, ma fête, c'est comme dans deux jours, le 5 mai. Fait que voilà. Puis hier, dans le fond, je suis allée au Chapters avec Sabrina. Puis, genre, j'ai vu ce jeu-là, puis j'ai genre, oh my god, puis elle a dit, oh, mais est-ce que tu le veux pour ta fête? Parce que c'est ça que j'avais l'intention de t'acheter. Fait que dans le fond, c'est le jeu What Do You Meme? C'est tellement cool. Dans le fond, c'est que t'as. C'est comme un peu le même principe que comme Cards Against Humanity ou comme le style de jeu. C'est que t'as une espèce de carte, mais là, dans ce cas-ci, c'est un meme. Puis il faut que tu rajoutes une description.
Puis en tout cas, c'est vraiment drôle, le stade. Puis on a joué hier, puis c'est vraiment le fun. Puis en plus, j'ai une extension déjà. Fait qu'on va pouvoir l'ajouter à ça. Ça va être bien, bien le fun. Puis sinon aussi, je me suis acheté une robe chez Garage. Puis en plus, c'était vraiment le fun parce que puisque justement, c'est ma fête bientôt, ben, j'avais un 30% de rabais. Fait qu'à la place qu'elle me coûte... Fait qu'à place qu'elle me coûte 38 et genre 60, elle m'a coûté 28 et 12. Fait que dans le fond, c'est une petite robe comme ça, ici, qui est comme croisée à l'avant. Comme ça. Elle a de l'air vraiment courte. Moi, la première fois que je l'ai vue, j'étais comme... OK. Mais je l'ai essayée. Puis finalement, tu sais, c'est une longueur vraiment comme portable. Tu sais, vraiment... vraiment chill, fait que je l'aime bien. Je l'ai pris dans le small. Puis c'est ça, je l'aime bien. Puis plot twist, quand je l'ai essayé, c'est un short. C'est une robe short, fait que c'est comme pas vraiment une robe. C'est plus comme une combinaison. Mais puisque ça a vraiment l'air d'une robe, ça paraît vraiment pas en fait que c'est un short. Puis en plus, le tissu est genre vraiment doux, c'est vraiment confortable. Fait que je suis vraiment contente de cet achat-là. Bon, ben, update. Fait que là, il est présentement un petit peu dépassé 9h30. Puis j'ai vraiment eu une grosse journée. Dans le fond, comme je vous ai dit, c'était ma journée où est-ce que ma troupe de théâtre présentait. Puis pour vrai, ça s'est vraiment bien passé. Comme, ouais, j'étais vraiment contente d'eux. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ben, je voulais en profiter aussi pour conclure le vlog. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir écouté le vlog. Passez une belle journée, une belle fin de journée, peu importe à quel moment vous écoutez cette vidéo. Et je vous dis, abonnez-vous à ma chaîne puis likez la vidéo si vous l'avez aimée. Donc sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!